بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم. بونجور. Dieu nous dit dans le même chapitre, le bétail, l'an'am, il dit ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما قرنا آخرين. Donc Dieu attire l'attention à ces païens-là, à ces malpropres, à ces gens de transgression et d'arrogance. Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas étudié, est-ce qu'ils n'ont pas entendu, est-ce qu'ils n'ont pas vécu et vu tous les vestiges laissés par les générations précédentes qui ont été anéanties parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés. Donc, Alam, Sodome et Gomorre, le déluge, etc., etc. Alam, et les tremblements de terre, etc. Alam, Yarao et Pompéi, l'an 71. Cet événement-là, c'est vraiment, il a été bien connu à travers la terre. Alam, Yarao, Kam, Ahlakna, Min, Qabli, Min, Qarnin, Mekkenna, Fil, Ard, c'est-à-dire, de un nombre incalculable de générations qui ont péri de cette façon-là. Alam Yarao, comme Ahlak, donc Dieu, lorsqu'il fait descendre son courroux, c'est pour dévaster et c'est pour détruire, parce qu'ils l'ont mérité. Alam Yarao, comme Ahlak, min qabli, min qarn, makkannahum fil ard. Ils ont été bien établis sur terre avec leur sculpture, avec leur château, avec leur forteresse, etc., avec leur technologie de cette époque-là, etc., et leur armée qui a été fracassante, qui a été, comment dirais-je, arrogante, etc., qui a été très dangereuse et agressive par rapport aux gens qui vivent avec eux aux alentours. Alam yarou kama lakum min qabl min qarn makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum, c'est-à-dire en comparant l'état actuel avec ce qui a été comme antécédent, il y a une grande différence de degré de puissance, d'arrogance, de perversion, etc. ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا سدير ديو nous envoie la pluie, ça peut dégénérer en déluge, en désinondation, inondation catastrophique, etc. ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحت السدير. La civilisation peut monter haut, surtout sur le plan architectural, la notion de fleuve et de ruisseau qui coule sous les châteaux, c'est une notion qui fait bien au cœur et qui nous donne l'idée de leur splendeur, ces gens-là, mais c'est quelque chose de très succès, c'est très éphémère parce qu'ils ont mal agi. Et Dieu a détruit tout ce qu'ils ont construit comme splendeur et comme beauté, comment dirais-je, architecturale, etc. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, c'est-à-dire ils ont été détruits, anéantis, بذنوبهم, c'est-à-dire ils l'ont mérité par leur péché et leur faute grave. Ils ont persisté dans ce comportement-là qui n'est pas sain, qui n'est pas vraiment bien, qui n'est pas beau. C'est-à-dire, pensez à Sodome et Gomorre, par exemple. C'est-à-dire que l'histoire, elle va dans le sens de génération après génération. C'est-à-dire, les gens qui ont bien agi, ils laissent quelque chose de bien, ils laissent une bonne renommée. Et les gens qui ont choisi l'autre voie,
ils ont été vraiment bien détruits et leur histoire, elle est présente chez nous et elle va persister après nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.